Ah, mais quelle entrée en scène, dis donc. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, alors vidéo très courte dans laquelle on va voir comment j'ai fabriqué ce petit truc. Alors ce petit truc, il sert à quoi? Il sert dans les simulateurs de vol, enfin plus précisément dans le simulateur de vol DCS World. Alors, je le rappelle vite fait, DCS World, c'est un simulateur militaire qui est gratuit de base, dans lequel vous allez retrouver deux avions. Et ensuite, on va pouvoir donc télécharger et investir un petit peu d'argent pour avoir donc des add-ons payants, notamment comme le F-18C Hornet. Et justement, on va fabriquer ce petit module qui est compatible F-18C. Le gros problème dans DCS World, c'est que de temps en temps, avec le trackier, voilà, on voit pas très bien ce petit boîtier. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de le fabriquer en réalité, de manière à avoir un accessoire. Et peut-être que par la suite, il y aura un cockpit qui sera fabriqué sur ma chaîne, de F-18C justement, avec la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, donc qui va être d'utiliser des Arduino. Voilà, je vous spoil vite fait. Mais bon, voilà, c'est un gros projet qui viendra peut-être un jour ou l'autre sur ma chaîne, mais pour le moment, on n'y est pas encore, hein, vraiment très très loin. Bref, bon, alors pour fabriquer donc ce petit accessoire, on va déjà passer sur SketchUp pour modéliser donc notre boîtier. Une fois modélisé, on va le passer à l'imprimante 3D. Et là, grande surprise, enfin du moins mauvaise surprise, je l'ai imprimé et en fait j'ai mis un remplissage intérieur pour l'imprimer de cette manière. Et gros problème, voilà, je sais pas si vous voyez, on a un remplissage qui est juste impossible à enlever sans détruire tout le boîtier. Je l'ai réimprimé, hop là, comme ceci. Avec un support cette fois ici.
avec une petite plaque sur lesquelles on va venir souder des LED en parallèle avec donc des résistances de 220 ohms. Ce qui fait qu'on va avoir 3 lots de 2 LED à chaque fois qui vont être à chaque fois connectés à une résistance de 220 ohms en série. Une fois que le boîtier est terminé, on va pouvoir s'attaquer enfin à la partie logicielle et la partie programmation de la carte Arduino. Alors au préalable, il va falloir télécharger le logiciel DCS BIOS et les drivers pour Arduino. On va pouvoir donc lancer le logiciel Arduino et ouvrir l'exemple DCS BIOS. Et si je ne me trompe pas, c'est l'exemple qui se nomme QIR, je sais pas, un truc dans le genre. Non, ça doit être IQR Serial, un truc dans le genre. Enfin bref, voilà, vous lancez donc cet exemple. Et à partir de là, on va ouvrir DCS BIOS et on va aller chercher dans le menu les différentes commandes qui nous intéressent. Donc la commande pour Lock, Shoot et l'autre commande, je ne sais plus exactement comment elle se nomme. Une fois qu'on a nos différentes lignes de commandes, on va les rentrer dans la page de programmation Arduino. Alors voilà, vous les rentrez en dehors de la Void Loop et de la Void Setup. Donc vous les rentrez en fait au niveau où vous marquez donc la librairie que vous venez incorporer. On a juste à venir changer le nom des pins, parce que forcément pin ça ne veut rien dire pour Arduino. On remplace par les pins justement qui correspondent au LED. Dans mon cas, je crois que c'est 2, 3 et 4 si je me trompe pas. Une fois que ça c'est fait, on a juste à téléverser le programme sur la carte Arduino et on se rend sur notre page DCS BIOS de manière à venir connecter notre Arduino Nano. Et à partir de là, on a juste à lancer DCS World et c'est bon. Voilà, on lance notre mission, on lance notre F18C et on vient verrouiller une cible. On voit que les shoots, lock, tout ça c'est bien allumé. Bah voilà, c'est parfait, ça fonctionne, c'est nickel. Voilà, c'est une technique qui est extrêmement simple, ce qui fait que voilà, si vous êtes un peu sur DCS World, que vous avez un Arduino qui traîne à droite à gauche, n'hésitez surtout pas à le prendre, le connecter, vous mettre 2-3 LED, 2-3 interrupteurs, ça vous fera des raccourcis et ça vous permettra quand même de gagner un petit peu du temps, notamment en multijoueur, pourquoi pas. C'était une vidéo très courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner de manière à être au courant de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux projets. Ciao les amis!